Dans l'actualité du 13h15, on n'a pas fini de parler de la crise à l'ODT. L'Organisation pour la démocratie et le travail traverse des zones de turbulence. Le président Moïse Sawadogo, débarqué lors d'un congrès extraordinaire il y a un mois, revient à la charge et qualifie ce congrès de putsch. Vous l'entendrez dans ce journal. Et puis, la plus belle femme du monde est philippine. Mega Young a battu en effet 5 autres finalistes pour accéder samedi au titre de Miss Monde au cours d'une cérémonie placée sous haute surveillance organisée à Bali, en Indonésie. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Vous le savez, les membres de l'ODT, l'Organisation pour la démocratie et le travail, ont tenu un congrès extraordinaire à Kongoussi le 31 août dernier. Un congrès qui a débarqué le président Moïse Sawadogo. Ce dernier ne s'avoue pas vaincu face à la presse hier. Il a battu en brèche les accusations à son encontre et annoncé des sanctions contre les membres accusés de putschistes. Ernest Bouma Nebié, Nyarkitida. Il y a des problèmes au sein du parti de l'Organisation pour la démocratie et le travail, ODT. Dieudonné Sawadogo, secrétaire général et député à l'Assemblée nationale au compte de l'ODT, a été suspendu de son poste lors du congrès national du parti le 22 septembre dernier. 8 autres membres ont aussi été radiés. Raison évoquée, Dieudonné Sawadogo a tenu un congrès à Kongoussi avec la complicité de ses 8 militants sans informer le président du parti. Le 4 septembre, c'est paru dans le journal Le Pays, un congrès qui s'est organisé à Kongoussi par des éléments de l'ODT et cela nous a tous tiqués parce que le président n'était pas au courant de cela et tous ceux qui sont ici n'étaient pas non plus au courant. Ce qui est vraiment inadmissible, les 4 décisions, c'est-à-dire la suspension du secrétaire général qui est la tête de ce putsch et les autres qui sont radiés parce qu'ils sont les commanditaires aussi de ce putsch. Et comme c'est lui, il est député, il faut le dire ainsi, hein, il a été suspendu. Le président de l'ODT a signifié que les reproches qui lui ont été faits par Dieudonné Sawadogo dans la presse ne sont pas vérifiés. Des accusations selon lesquelles le premier responsable veut gérer de façon opaque le parti. Selon lui, ce sont plutôt ses adversaires qui doivent se reprocher des manquements graves. Depuis que le monsieur secrétaire général a été élu député, il n'a jamais mis pied au siège ici. Moi, je l'ai appelé à plusieurs reprises. J'ai dit, monsieur le député, il faut qu'il puisse convoquer l'AG pour que nous puissions même le présenter aux autres membres qui ne le connaissent pas, comme celui qui est devenu le député, il a refusé. En attendant le congrès prochain du parti, des intérimaires ont été nommés au poste des radiés. Et puis avant de poursuivre, suite à des menaces d'affrontement entre les deux familles Sorgho et Kéré dans une affaire de chefferie coutumière, un couvre-feu a été décrété la nuit dernière à Tinkodogo. Nos équipes de la RTB2 Centre-Est s'affairent pour nous faire le point de la situation dans notre édition de 20h. Retour dans cette édition sur le séjour américain du président du Faso. Comme à chacun de ses déplacements, le chef de l'État a reçu les ressortissants en Burkinabé, à Washington et New York. Les échanges ont porté sur l'évolution du pays, mais aussi sur quelques-unes de leurs préoccupations. Blaise Compaoré a discuté avec eux des questions socio-économiques, mais aussi d'actualité. Le compte-rendu est signé Urbain Benito Sommé et Alfred Nitiema. D'entrée de jeu, le président du Faso a fait observer une minute de silence à la mémoire du président Sey Zerbo. Et je voudrais, avant de commencer avec vous ce soir les entretiens, vous inviter à observer une minute de silence en sa mémoire. La rencontre entre le président du Faso et les ressortissants burkinabés vivant à Washington et dans sa région, mais aussi ceux de New York, a permis à ces derniers de s'informer sur l'évolution socio-économique et politique du pays. Sur le plan socio-économique, il a été question des progrès enregistrés dans les domaines de l'énergie, de l'économie, de la santé, de l'éducation, de l'agriculture et comme il fallait s'y attendre, la question du Sénat a été évoquée. Quand vous prenez l'Assemblée nationale,
c'est vrai, ça représente le peuple. Mais c'est quoi à l'Assemblée? Les représentants du peuple à l'Assemblée sont pris rien que dans les politiques. Alors que la société est aussi réelle dans d'autres dimensions. C'est-à-dire que ce qu'on a constitué comme Sénat, si vous prenez les régions qui sont représentées, c'est des réalités historiques et économiques même qui font le Burkina. Vous prenez les communautés religieuses et coutumières, c'est des réalités, voilà, avec lesquelles nous avons pu compter. Donc ces hommes doivent pouvoir accompagner, voyez, la rédaction de la loi. Vous prenez le monde du travail, le patronat, les syndicats, voyez, la diaspora, comme, voyez, tous ces gens, pour que la nation soit encore plus forte, voyez, dans la confection de ces lois, pour que les lois s'impose à tous, mais avec beaucoup plus d'enthousiasme. Alors donc, c'est comprendre qu'on a intérêt à avoir cette disposition là, qui apporte un plus, voyez, à la qualité de la loi et qui a aussi cet avantage que le Sénat n'est pas comme l'Assemblée. L'Assemblée, quoi qu'on dise, elle est plus dépendante au niveau de certains pouvoirs du président que le Sénat. Vous savez, le Sénat est là pour 6 ans. Donc, c'est des gens, je ne peux pas les dissoudre le Sénat. Alors que l'Assemblée, je peux dissoudre l'Assemblée. Ouais. Donc, c'est vraiment une structure, une institution qui a de la hauteur, parce que ce n'est pas entre des politiciens. Voyez, moi, si, avec une seule chambre, j'ai la majorité. Voilà, je donne ma loi, c'est voté. Pourquoi je vais chercher des histoires, donner encore une autre chambre pour qu'on regarde? C'est parce que l'intérêt du pays que je mets en avant, c'est pas. Voilà. Sur le plan sous-régional, Blaise Compaoré est revenu sur les difficultés liées à la recherche de la paix dans la sous-région à travers les différentes médiations qu'il a conduites. Le président du Faso a exhorté les Burkinabés de l'étranger à bien se comporter dans leur pays d'accueil. Il leur a prodigué des conseils et incité à prendre part à l'édification d'un Burkina Faso plus prospère. L'agence intergouvernementale panafricaine Eau et Assainissement en Afrique EAA commémore ses 25 ans cette année. Un jubilé d'argent qui sera fêté à Abidjan à l'occasion du 3e forum de haut niveau sur l'eau et l'assainissement en Afrique qui se tiendra en novembre prochain. Le forum est à sa 3e édition et son objectif est de mettre à la disposition des différents décideurs et acteurs du secteur sur le continent une plateforme d'échange et d'influence et favoriser ainsi des décisions et actions concrètes en faveur de l'eau et l'assainissement en Afrique. Face à la presse ce vendredi 27 septembre dernier, le directeur exécutif de EAA a donné des détails sur l'organisation de cet événement. Bouma Ernest Nebier, Adama Koulibaly. À cette rencontre avec les hommes de médias, les responsables de l'agence intergouvernementale eau et assainissement pour l'Afrique EAA ont fait étalage des acquis engrangés par l'institution. En 25 ans d'existence, elle a beaucoup contribué au bien-être des populations de ses pays membres en matière d'eau potable et d'assainissement. Je crois que c'est un parcours assez réconfortant, encourageant. Nous avons, en tout cas pendant ces 25 ans, développé un certain nombre de technologies à la disposition du secteur. Lorsque je parle de technologies, c'est des technologies appropriées dans notre contexte. Nous avons également formé un certain nombre d'acteurs. Aujourd'hui, au moins 3000 acteurs ont bénéficié de nos sessions de formation, de renforcement de capacités. Mais également, nous avons investi presque 550 milliards pour le secteur. Et je pense qu'il y a 2 ans, lorsque nous avons démarré le processus de réforme, pour encore accroître nos ambitions, permettre à l'institution d'accompagner les États membres de façon beaucoup plus efficace, faire beaucoup plus et mieux, je pense qu'au bout des 2 années de réforme, nous avons en tout cas commencé à voir encore des résultats beaucoup plus importants. Pour vous dire que cette année-ci, nous avons pu mobiliser presque 300 milliards comparé aux 750 milliards que nous avons mobilisés pendant 23 ans. Les perspectives pour l'efficacité et l'élargissement de son action à tous les pays africains sont nombreuses, d'où la tenue en novembre prochain à Abidjan, en République de Côte d'Ivoire, du 3e forum de haut niveau sur l'eau potable et l'assainissement.
Cette rencontre va regrouper les acteurs et décideurs du secteur de l'eau et de l'assainissement des pays membres de l'EAA. L'institution est née au Burkina Faso en 1988 avec 17 membres. Aujourd'hui, elle est présente dans 32 pays. La délégation régionale du Conseil supérieur de la communication de l'Ouest se met à l'heure des technologies de l'information et de la communication. Désormais, le personnel de cette structure pourra enregistrer automatiquement et en continu 24 heures sur 24 les programmes des chaînes de radio et de télévision. Et cela grâce à un nouveau système de monitoring présenté ce 26 septembre dernier à Bobo-Dioulasso, Karim Cissé. Un clic sur le pupitre et voici le système de monitoring des médias de l'Ouest, officiellement lancé par la présidente du Conseil supérieur de la communication, CSC. Un équipement qui devrait permettre à la délégation régionale du CSC de l'Ouest de mieux remplir sa mission de régulation. C'est dire que désormais, le personnel pourra, grâce au système de monitoring, enregistrer en continu 24 heures sur 24 les programmes de 16 chaînes de radio et 8 stations de télévision. Et ces enregistrements pourront être conservés durant au moins 120 jours. On est dans une civilisation de la technologie et on ne peut pas continuer à faire de l'à peu près, à faire de l'artisanal, alors qu'à côté, nous pouvons nous doter. Bon, moyennant évidemment quelque argent, nous doter d'équipements qui nous facilitent le travail. Parce que cela consiste en quoi ? À pouvoir observer au jour le jour et 24 heures sur 24 le contenu des radios et des télévisions. Le gouvernement burkinabé a déboursé la somme de 63 500 000 francs CFA pour doter la délégation régionale du CSC de l'Ouest de cet outil de travail. Et pour les bénéficiaires, l'acquisition de ce matériel va leur permettre d'être encore plus efficaces. La délégation est très fière de cette, en tout cas de cette acquisition des équipements au niveau de la délégation. Je pense que maintenant nous allons travailler de façon paisible, de façon tranquille et de façon rapide par rapport au passé, on travaillait de façon manuelle. Actuellement, c'est automatique, tout sera transparent. Avant ce lancement, les premiers responsables du CSC avaient tenu une conférence publique sur les attributions et les activités de la dite structure. Une conférence qui leur a permis de faire le point sur la genèse du CSC, son fonctionnement et les activités qu'il mène en période ordinaire et en période électorale. Le projet réduction du travail des enfants par l'éducation et les services à Bobo-Dioulasso vient de lancer ses activités ce 26 septembre dernier. Il s'agit d'un projet mis en œuvre dans notre pays par les ONG Counterpart International et Terre des Hommes sur financement des États-Unis. Il se donne 4 ans pour contribuer de façon sensible à minimiser et voire éliminer les pires formes de travail des enfants au Burkina Faso. Sur place à Bobo-Dioulasso, Rokia Sanou. Les champs de coton et les sites d'orpaillage sont réputés être les principaux terreaux des pires formes de travail des enfants au Burkina Faso. Ayant entre 5 et 17 ans, ces enfants travaillent 18 heures par jour, 7 jours sur 7, et bon nombre d'entre eux ont déserté les salles de classe pour ces activités, compromettant ainsi leur avenir. Pour faire face à ce fléau, les ONG Terre des Hommes et Counterpart International montent au créneau à travers le projet Réduction du travail des enfants par l'éducation et les services AirClass. On a des composantes pour l'éducation. Par exemple, les jeunes seront plus ciblés dans le cadre des vocations, des études de vocation. Oui, professionnelles, voilà. Et il y a aussi les autres où ce serait plus les parents et les communautés qui seront sensibilisés comprendre l'importance de l'éducation des enfants. Avec ce projet, 10 000 enfants et adolescents devront regagner le chemin de l'école ou des centres de formation professionnelle. Il prévoit également une aide à 1 000 ménages d'où sont issus ces enfants en vue de leur assurer des sources de revenus durables. Tout cela est financé à hauteur de 2,5 milliards de francs CFA par les États-Unis d'Amérique. Nous sommes très contents d'avoir des partenaires
comme le gouvernement du Burkina Faso pour mettre à profit le petit geste que le gouvernement des États-Unis et le peuple américain ont fait pour essayer d'adresser ces fléaux qui existent, comme le ministre a dit, existent partout au monde, mais nous, précisément ici au Burkina Faso, nous sommes contents d'être partenaires et de contribuer un peu à résoudre et adresser les problèmes que nous avons. C'est l'occasion pour moi de saisir votre micro pour exprimer la reconnaissance et la gratitude du gouvernement burkinabé à l'endroit du gouvernement américain qui accorde une attention particulière à ce fléau dans notre pays. Nous allons tout mettre en œuvre pour que ce projet puisse atteindre les objectifs. Les régions de la boucle du Mouhoune, des Cascades et des Hauts Bassins sont les bénéficiaires du projet Hercules qui est prévu pour s'étendre sur 4 ans. L'armée de l'air vient de recevoir du sang neuf avec la sortie de la première promotion d'officiers pilotes. Ils ont reçu leurs épaulettes ce samedi en présence de Nyarki Teda. Salut au drapeau, dit Tanié. Revue de troupes, le moment est solennel à la base aérienne 511. La famille militaire fête la fin de formation de la toute première promotion d'élèves officiers pilotes. Après 3 ans de formation au sein de la base aérienne 511, puis à Benisov, en République tchèque, et à l'Académie militaire Georges Namoano de Pau, ces 11 élèves officiers que voici ont désormais la vocation à planer et à régner en maître absolu dans le ciel du Burkina. Ils reçoivent ici les attributs de sous-lieutenant en présence de toute la hiérarchie militaire, avec à sa tête le chef d'état-major général des armées. Vous savez qu'il y a des pilotes de plusieurs catégories, il y a des pilotes de chasse, il y a des pilotes de transport, il y a des pilotes d'hélicoptère. Nous connaissions un déficit au niveau de ces différents personnels et cette promotion va venir justement combler ce déficit-là. Nous avons acquis des aéronefs ces dernières années et il nous fallait bien sûr trouver de la ressource humaine justement pour mettre en œuvre ces aéronefs-là. Pionnier d'une nouvelle ère pour l'armée de l'air du Burkina, ils ont pris pour nom de baptême le commandant Savadogo Saïdou, cet officier de l'armée de l'air décédé le 10 décembre 2008 alors qu'il était en mission commandée à Farangourman à la faveur de la célébration de la fête de l'indépendance du Burkina. Et ces nouveaux officiers pilotes entendent incarner ces valeurs guidées par les qualités de noblesse, d'humilité et de sacrifice au service de la patrie. Ces 3 années de formation qui se sont écoulées, mais ça marque aussi le début d'une carrière et nous allons nous atteler à être des dignes officiers capables d'occuper des postes de combat et aussi à servir notre pays dignement. Ils sont aptes, mais vous savez que dans le pilotage, on apprend toujours jusqu'à la retraite et les meilleurs pilotes, ben c'est ceux qui sont sur le point d'aller à la retraite. Pour y arriver, les intervenants ont beaucoup insisté sur les valeurs qui doivent constituer pour eux les repères de vie d'officier, à savoir la patience d'apprendre et de progresser, le courage et la détermination dans l'adversité, le dévouement et l'abnégation au service de la patrie qui ont toujours caractérisé la vie d'aigle de leur parrain, le colonel Yacouba Pierre Diasso, à la retraite. Car, diront-ils, c'est à ce seul prix qu'ils grandiront dans ce métier et domineront les cieux du Burkina et d'ailleurs. En culture, à l'heure de la décentralisation et de la mondialisation, nul doute que le développement local est une exigence pour le Burkina Faso. Et la culture peut aider à amorcer ce processus. C'est l'analyse de Jacob Yarabatula, un sociologue qui vient de publier un ouvrage sur le sujet « Culture et développement local, éléments d'appui à la décentralisation culturelle au Burkina Faso ». C'est le titre de ce livre que nous présente Ramatou Zida. Culture et développement local, éléments d'appui à la décentralisation culturelle au Burkina Faso. C'est un ouvrage de 124 pages qui fait l'état des lieux de la culture burkinabé. L'auteur Jacob Yarabatuala propose des stratégies de promotion tout en mettant en exergue la place de la culture dans le développement d'une collectivité. J'ai écrit ce livre pour attirer l'attention des décideurs, des politiques, sur la dimension culturelle du développement et sur la dimension économique de la culture pour le développement. Ce nouveau-né de la littérature burkinabé s'intéresse surtout aux acteurs des collectivités locales. C'est pourquoi le ministère en charge de la culture s'est engagé à le restituer auprès de ces acteurs. Il sera de voir avec lui et avec aussi
les structures fêtières de ces collectivités, puisqu'il y a les associations des maires, il y a aussi l'association des présidents de conseils régionaux, c'est de voir de manière tripartite, donc entre eux et nous, plus bien sûr l'auteur, quel type d'action nous pourrions mener. Mais nous pensons déjà à une action de vulgarisation qui pourrait se traduire par des conférences publiques. Publié aux éditions universitaires européennes, le livre coûte 32 000 francs CFA et sa commande se fait en ligne. Cette nouvelle parution est aussi la somme de parcours et d'expériences de l'auteur. Des expériences qui lui ont permis de constater l'importance de la culture dans le processus de développement. Il conclut donc son ouvrage en empruntant les thèmes de l'écrivain sénégalais Léopold Sédar Senghor. La culture est au début et à la fin de tout développement. Tout est fin prêt pour la grande finale de la 14e édition de Fitini Show au stade Wobi de la ville de Bobo-Dioulasso. Cet après-midi, les organisateurs ont déjà mis tout en œuvre pour offrir un spectacle inédit aux inconditionnels. Fans de cette manifestation, les délégations étrangères invitées sont là. Les artistes invités ont effectivement effectué le déplacement de Bobo-Dioulasso, hormis Didi Desbordeaux. Mais le show sera assuré selon les organisateurs. Constat avec Karim Cissé. Depuis hier soir, ces différents acteurs sont à pied d'œuvre au stade Wobi de Bobo-Dioulasso. La grande finale de la 14e édition de Fitini Show, c'est pour aujourd'hui et tout doit être mis à l'ordre pour offrir un spectacle à la hauteur de la manifestation. Tout est fin prêt, vous voyez tout le monde mobilisé en train de travailler. Depuis hier, les gens ont veillé sur le terrain. Ça veut dire que nous accordons une place à Fitini Show. Parce qu'aujourd'hui, Fitini Show est rentré dans le cœur des enfants. Fitini Show est rentré dans le cœur du public burkinabé. Fitini Show, c'est une manifestation internationale. Et nous ne devrons pas échouer. La finale sera en direct et l'équipe technique de la RTB a déjà installé son matériel. Du côté des hôtesses, on écoute avec beaucoup d'intérêt les dernières consignes. Les différentes délégations étrangères invitées ont toutes répondu présentes. Le seul absent de cette grande messe culturelle est Didi Desbordeaux. Mais selon les organisateurs, cette absence n'affectera en rien le caractère festif de la manifestation. Plusieurs autres artistes seront de la partie pour accompagner les tout-petits. Nous avons le regret d'informer le public burkinabé que Desbordeaux initialement annoncé, qui avait même fait une vidéo pour annoncer sa venue, ne sera pas de la partie. Mais ça n'engage en rien la manifestation. Le spectacle aura bel et bien lieu. Fitini Show, ça fait 14 ans d'expérience. Ce n'est pas accessible. Et nous rassurons tout le monde que le spectacle sera un spectacle de qualité. Et les autres artistes ont répondu présent. Et nous allons faire une très belle fête. Une fête nationale parce que nous avons des pays qui sont là, comme le Mali, la Côte d'Ivoire, le Niger, qui nous accompagnent. Voilà, dans le cadre de la grande finale de Fitini Show, à respecter, une émission à beaucoup soutenir, parce que vous le savez bien, tout ce qui fait plaisir aux enfants est à propulser. Pourquoi? Parce que chacun de nous se cache un enfant. Fitini Show, la grande finale, si moi, tonton Idriss, j'étais pas là, j'allais demander pourquoi je suis pas là, parce que tout ce que j'ai dans la vie aujourd'hui, c'est les enfants qui me l'ont donné. Sur les 10 000 tickets confectionnés, 8 000 ont déjà été vendus. C'est dire que le show de cette grande finale pourra se dérouler à guichet fermé, comme d'habitude. Venez danser mini-cassé, c'est la danse de l'année. Venez danser mini-cassé, c'est la danse de l'année. Mini-cassé, mini et mini et cassé. Ce soir, à Fitini Show, à la grande finale, on va parce que ça va chauffer. Termine ce journal par la page CITO 2013. Voilà, on évoque les avantages des produits artisanaux au Burkina. Sur cette page CITO 2013, la vente des objets décoratifs et la visite des sites touristiques profitent au secteur de l'hôtellerie. Notre équipe sur la 10e édition du CITO s'est intéressée à la question. Yolande Lompo. Ça, c'est un collier qui compose de 3 pays différents.
Ça, c'est le bleu. Ça, nous, on appelle ça du kofi. Ça vient du Ghana. Et les boules noires représentent les rikiki. Et ça, ça représente du Sénégal. Ça, c'est les colliers moussi. Genre les kouris. Vous l'aurez deviné, Honoré Léama est un artisan. De la confection à la vente de ses objets d'art, il en a fait une passion et sa clientèle est essentiellement composée d'étrangers. Non loin de sa boutique, à l'intérieur de ce jardin, d'autres artisans proposent des sculptures en bois, en ivoire, en bronze, des habits traditionnels, du batik et des guimbés. L'artisanat constitue un secteur important de la vie socio-économique et malgré l'existence des différentes structures telles que le CIAO et la Chambre des métiers de l'artisanat au Burkina Faso, tous s'accordent à dire que ce métier ne nourrit plus son homme. Si je dis que je gagne quelque chose pour nourrir la famille, tout, c'est trop dit quoi. Puisque le travail c'est du jour au lendemain. C'est les seules ressources, s'il n'y a pas de clients, on peut vendre aujourd'hui, après demain. Donc c'est nous qui débrouillons avec comment on peut attendre vraiment. On n'a rien fait quoi. C'est pas sûr que voilà, nous allons pouvoir tenir le coup. Oui. C'est pas sûr que nous allons pouvoir tenir le coup parce qu'il n'y a pas de marché. Il n'y a pas de clients. On peut taper une semaine ou souvent quand on voit un client, le client c'est pour 20 personnes, 10 personnes et chacun veut parler. Le client souvent même est obligé de partir. C'est parce que ça ne va pas concentrer sur une seule personne. Et si avec trop de monde, ça, c'était bien. Organisé annuellement par le ministère en charge du tourisme, le Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou vise au plan international à faire connaître les potentialités touristiques du Burkina et à le positionner comme destination privilégiée en Afrique de l'Ouest. Le Burkina Faso compte 4 zones touristiques aussi riches les unes que les autres et les touristes qui y viennent sont également attirés par l'artisanat. J'achetais beaucoup de colliers ici parce que j'aime beaucoup l'artisanat africain et pour amener en Italie à mon ami, pour faire des petits cadeaux à mon ami. Sitôt, ça nous arrange parce que souvent on expose les habits, ce que nous fabriquons, que nous exposons aussitôt. Surtout les façons. Cette année, je n'ai pas participer. C'est manque de moyens. Ça a d'importance, c'est pour promouvoir la promotion de l'artisanat. Mais du moment où les gens n'arrivent plus à pénétrer dans le pays, ça ne peut pas aller. Et nous, les artistes, on ne peut pas vivre. On est obligé d'associer d'autres activités de temps en temps pour pouvoir s'en sortir. La 10e édition du CITO se tient du 26 au 29 septembre 2013 à Ouagadougou, avec comme pays invité d'honneur le Tchad. Dans la promotion du tourisme au Burkina Faso, il faut compter avec les agences de voyage. À cette 10e édition du CITO, ils sont nombreux, ces promoteurs d'agences à venir présenter leur entreprise. Focus sur certaines d'entre elles avec Pélagie Savadogo. Le secteur de l'hôtellerie constitue de nos jours un domaine incontournable pour la promotion du tourisme burkinabé. C'est pourquoi cette 10e édition du Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou, on retrouve un nombre important de promoteurs hôteliers. Comme cet hôtel, ils sont venus de divers horizons pour présenter leurs produits. L'objectif est le même, conquérir le maximum de clients afin de faire du Burkina Faso une destination touristique. Iba Hotel aujourd'hui regroupe tous les aspects d'un hôtel, d'un standing moyen qui vont des chambres que nous avons tout type, ça veut dire des chambres standards, des chambres privilèges et des suites. Pour nous les hôteliers, c'est pour mieux nous faire connaître sur le plan national et international, puisque nous profitons de ces genres de rencontres pour avoir beaucoup de clients et faire exposer nos différents produits que nous avons au niveau de l'hôtel. Nous sommes là vraiment pour accroître notre visibilité et renforcer l'esprit d'équipe. Les agences de voyage sont aussi présentes à ce 10e rendez-vous du CITO. Ce sont des entreprises commerciales qui jouent le rôle d'intermédiaires ou d'agrégateurs de services entre les clients et les prestataires sur le marché du tourisme.
nous émettons les billets d'avion et nous assistons aussi nos passagers. Autre activité, nous organisons aussi les circuits touristiques. Nous faisons la location des véhicules et nous faisons aussi le Western Union, les transferts. Nous travaillons beaucoup plus avec les structures parce que ça représente un marché assez intéressant. Maintenant, tel que nous procédons, on prend attache avec les structures, que ce soit public ou bien privé. On prend attache avec l'administration. L'administration nous indique la personne ressource qui s'occupe des questions de déplacement. Voilà, donc on échange avec cette personne directement. Si la personne nous connaît, déjà, c'est un avantage. Au cas où la personne souhaitera avoir plus d'informations sur notre activité, généralement, c'est de demander à envoyer une offre de service. On l'envoie et on cherche à expliquer cela en profondeur, ce que nous faisons, les accompagnements que nous faisons, tout. Ces professionnels du tourisme ont accueilli avec intérêt le thème de cette année. Les technologies de l'information et de la communication étant leur outil de travail par excellence. C'est un très grand avantage pour nous, qui est que nous arrivons à mettre en place des plateformes de communication, des plateformes par exemple de réservation à travers l'éthique, la communication. Maintenant tout est électronique. Et si le client a notre contact seulement, et il nous envoie par exemple un mail, comme la structure qui travaille avec nous, il nous envoie un mail seulement, il dit tout ce qu'il veut et nous on fait la réservation, on les envoie aussi par mail, il confirme. On émet les billets, on les envoie aussi par mail, sans qu'ils ne se déplacent. La 10e édition du CITO referme ses portes demain dimanche. Le public est donc appelé à faire le déplacement afin de découvrir les différentes offres que proposent les pays invités. Ce dimanche alors, un mot de sport avant de vous quitter. Le Burkina Basketball Days connaîtra son épilogue cet après-midi même au Palais des Sports de Ouagadougou. C'est dans la capitale burkinabé. Au programme final de petite catégorie à partir de 14h chez les seniors dames, l'affiche de la finale opposera l'AS Sonabi à BAC. Tandis que les hommes, le RCK tentera de confirmer son avance prise hier sur la Sonabi battue 88 à 77. Toutes ces rencontres, je le rappelle, auront lieu au Palais des Sports de Ouagadougou. Ainsi se referme cette édition. Merci pour votre attention. Très bonne suite de programme sur la RTB. Au revoir.